pour ce qui est de l'Afrique noire, puisque l'Afrique se trouve partagée entre des races différentes. Pour ce qui est de l'Afrique noire, où nous avons une multiplicité de langues et où la plupart de ces langues n'ont pas d'écriture, sauf une écriture empruntée, empruntée notamment à un alphabet étranger, latin par exemple. S'il me paraît que la nécessité de transcrire ces langues dans un alphabet moderne ne doivent pas être un préalable à toute autre construction, je crois tout de même que dans l'avenir, nous devrons nous préoccuper de transcrire nos langues dans des alphabets modernes de manière à pouvoir les écrire, parce que, en fin de compte et à long terme, il sera nécessaire d'exprimer nos cultures, d'exprimer notre vision du monde dans nos propres langues. Mais la scolarisation que cela implique ne risque-t-elle pas de provoquer un certain déchirement, que vous avez d'ailleurs exprimé dans votre livre « L'aventure ambiguë », dont l'Africain partagé entre deux pôles de culture, la sienne et l'occidentale que lui apporte la langue française? C'est cela. Mais il s'agit là véritablement de cas relativement exceptionnels. Ce qui nous importe pour le moment lorsque nous parlons de culture, c'est le nombre, c'est la quantité statistique. Ces Africains qui sont partagés, qui sont déchirés, ainsi que j'ai pu les décrire dans mon livre, sont un peu l'exception. Ce sont ceux-là qui ont été le plus loin possible dans ces cultures occidentales notamment, sans pour autant avoir rompu réellement avec leur tradition. Et je crois que c'est le fait pour eux d'avoir été si loin dans la culture occidentale qui est la cause de cette tension que j'ai décrite. Mais cette tension ne se rencontre pas chez la moyenne des Africains, même s'ils ont été un peu à l'école, même s'ils parlent un peu le français, par exemple, pour nous Sénégalais. Elle ne se rencontre qu'à partir d'un certain niveau de culture. Et je crois que pour l'ensemble de la collectivité africaine, cette tension ne se rencontrera précisément que dans 10-15 ans, encore une fois, lorsque le degré de scolarisation aura monté pour l'ensemble de la collectivité sénégalaise, par exemple.